bonjour à tous. On m'a demandé vraiment de faire une petite vidéo sur ce type de mouche. Alors c'est monté avec un hameçon là de 16. C'est petit hein. Pour les débutants, ça va être un petit peu fin, mais c'est simple à faire. Avec des petites pattes souples comme ça, ça fait un peu style fourmi, un petit insecte. Les ombres sont friandes de ça, mais les trucs aussi. Hein. Je peux vous dire qu'avec celle-là, ça marche. Bon, on va faire le montage. Je serre ici, je tourne la manivelle pour faire tomber ma mouche. Voilà, on va la mettre de côté. J'avais un hameçon. Alors, je vais prendre un hameçon de 14. Vous pouvez faire avec du 16. N'hésitez pas à faire des montages avec des petits hameçons, hein. Ils existent. Bon, alors ça se démarre. Il y a du 10, hein, c'est les grands, du 12, pour faire certains types de montages où il y a pas mal de plumes et autres, et vous cherchez la grosse truite. Vous avez ensuite bah, du 14, 16, plus petit, 18, 20, 22. 22, là, faut être déjà quand même bon parce que. Il m'est arrivé, moi, d'avoir une truite de 35 sur du 20. Avec une pointe badling, donc en 8. Faut être très très fin, là. Hein, parce que vaut mieux la fatiguer. Hein. Bon, je reprends fil marron. On peut le faire avec du noir. Surtout en 8-0, hein, prenez un fil fin au départ, c'est bien. Bon, l'enroulement, je vous l'ai montré sur l'autre vidéo. Vous passez derrière. Hop. On cherche un peu au début, hein, mais pour moi, ce que je vais faire surtout, c'est changer de lunettes, passer à plus haut. Bon, on tient toujours son petit fil en arrière ici, comme ça, et hop, on tourne. Bon, vous n'êtes pas obligé de faire des enroulements serrés là, jointifs comme on dit, c'est-à-dire quand le fil, vous le mettez bien l'un contre l'autre sans se superposer. Et à ce moment-là, c'est pour faire certains types de montage. Bon, là, ben, je vais couper l'excédent. Pac. Petit ciseau, là, ressort, comme ça, je vous conseille. Je me souviens plus du fournisseur, mais on le trouve facilement. C'est vraiment très bien, parce que vous appuyez, vous voyez, ça ressort. Très pointu, très fin. Moi, je fais des coupes avec ça, vraiment extra. Donc, pour démarrer, on va prendre chenille black. Petite micro chenille, celles-ci existent en plusieurs épaisseurs, hein. Vous pouvez faire des grosses chenilles. Là spécialement pour celle-là, c'est une petite chenille. Voilà, on va couper. Toc. Alors on la présente. J'ai coupé le bout là qui me gêne un peu. Un petit peu tordu, j'aime bien que ce soit propre. Venez. Un peu après la courbe pour emprisonner donc la chenille, voilà comme ça, voilà, vous serrez, quelques tours d'enroulement, allez, vous ligaturez bien votre chenille, voilà, faites quelques enroulements devant aussi pour rattraper un peu d'épaisseur, voilà, ça va être tout simple, vous allez voir, tout simple, c'est plus délicat pour les pattes. Voilà, je vais m'arrêter là. Un petit peu plus compliqué que l'autre, voilà, j'enroule, jointif, hop, hop, pour que c'est une belle allure, j'espère qu'on voit bien ça, voilà, comme ça, je vais garder un peu de réserve. Je vais faire un petit arrangement sur celle-là pour vous montrer le body loop. Hop, hop, je bloque, je coupe l'excédent. Je garder en réserve les petits morceaux, hein, ça peut servir pour les toutes petites mouches. Vérifie encore, c'est encore un hameçon récupéré. C'est moi, je démonte les anciennes mouches quand ils ne fonctionnent pas. Tout au moins qui ont été
un petit peu abîmé quand même par la pêche. Forcément, bah, il faut refaire ses mouches. Voilà, ça c'est fait. On ligature bien devant. Je vais revenir sans trop serrer, en biais comme ça, derrière. Voilà. Et maintenant, je vais utiliser ce type de produit. C'est pour faire les pattes souples. Voilà. C'est des bandes comme ça. Et dessus, vous prenez un catalogue, vous demandez le catalogue de vos fournisseurs, n'hésitez pas à leur demander. Vous allez pouvoir voir tous les produits dessus et ils expliquent même à quoi ça sert. Et c'est plus simple. Bon là, il faut simplement séparer. Hop. Voilà, c'est élastique. Hop, impeccable. Que je fais, je passe derrière. Bon là, je vais pas m'emmerder à faire un morceau, je vais couper quand même. J'essaie de vous faire le plus simple possible. Hop, je la passe et je passe en dessous film. Je viens sur le côté comme ça et j'y dature. Sans faire 50 tours, hein, vous faites juste un tour parce que vous avez un deuxième pâte à mettre. Moment délicat, mais ça je mets en hauteur comme ça je peux le ligaturer pour voilà, et je la serre et je mets en place. Ok, je coupe tout de suite ce qui me gêne, l'excédent, c'est pas peine d'en avoir une grande longueur, les deux pareil, hop, c'est bon. Ici pareil, un petit peu en réduction, hop, c'est bon. Je vais faire assez long pour que ce soit amusant. C'est pas que ce soit amusant, mais que ce soit pêchable. Faut que ça pêche. Le but, c'est d'attraper les truites et les belles. Donc là, j'ai les gâtures, j'ai essayé, j'ai conçu, c'est bon. Je redresse et je me mets ici. Pas trop d'enroulement, hein, pour pas trop déguenillé, comme on dit, la chenille. Hein. Je refais le même principe. Je viens me mettre sur le côté là et je serre. Voilà, je vais s'appliquer. Excellent. Zou. Et je remets l'autre côté pareil. Je tourne, hop, pour ligaturer. Je mets en place. Voilà. Et je coupe l'excédent. Oh, c'est marrant. Ouais. Vous allez voir. Ça bouge dans l'eau, ça. Deuxième petit tour pour serrer tout ça. C'est là que ça bouge, forcément. Si on ne maintient pas, mais c'est pas grave que ça en dessous. Hop, ça se remet. C'est bien entre les pattes. Et voilà. Je remets tout en arrière et je bloque devant. Ok. Bon, je fais une... Je vais chercher à prendre le matériau. On va prendre un peu de poil de chevreuil et on va faire le body loop. Un ami m'a donné carrément la pose du poil de chevreuil, superbe, superbe, vraiment là, j'ai jamais eu encore cette qualité de produit. Voilà, j'ai une pince spéciale qui est suisse, qui permet de prendre les poils très facilement pour faire son bubbing loop. Je vais en prendre une petite pincette là, voilà. Je prends les ciseaux adéquats, je prends les ciseaux un peu plus longs, parce que là ils sont courbes. Droit et je coupe. Voilà, la pincette est faite, je mets en attente
et je fais mon modèle. Bon, certains ont une petite toupie avec les deux deux fils courbés comme ça pour attraper. Je vais vous montrer, c'est pour faire les enroulements de poils, même de dubbing des fois. On prend comme ceci, hop, les deux crochets. On vient se positionner sur le même son A. Hop, je passe une fois, deux fois derrière. Ça y est, c'est fait. Hop, je laisse mon dubbing loop, je rattrape ça et je bloque. 2-3 tours. Voilà. Alors, ce que j'aime bien, moi, c'est faire une clé pour pouvoir travailler plus facilement. Je vais bloquer là mon fil. Hop. Et je vais poser sur le côté mon porte-bobine. Ça, je sens. Je prends un petit peu de poids. Couper. Merde. Coupure. Continue. Voilà, la petite pincette, je vais la placer maintenant entre le triangle de mes fils. Là, c'est délicat parce qu'il faut la présenter dedans. On tire sur le body loop pour pincer avec les fils et c'est en place. On aligne un petit peu ses poils. On pousse un petit peu comme ça, voilà. Hop. Bon, je vais le remonter un peu. Et je tourne. Ah, c'est une toupie hein, qui tourne automatique. Bon, je gagne du temps, c'est pratique. À savoir que cet outil là il est articulé également un peu pour faire ses enroulements, mais bon, comme ça me fait un peu de longueur, je préfère toujours pour être très fin. Je reprends ma pince à hacle, je pince mon fil, voilà, je décroche mon body loop, je prends mes fils en arrière là, mes pattes et je tourne. Je rattrape avec mes doigts. Voilà. Je fais mon enroulement. Je vais essayer de tirer en arrière un peu les poils. Je veux que ce soit propre. Voilà. Bon, j'ai une patte qui est rebelle. Hop, on va se mettre en place. Je n'ai pas encore fait comme ça pour... Là, tout est en place. Putain, c'est pas vrai. Deux fois une coupure d'électricité parce que j'ai des voisins, je suis branché avec eux. Ils ont dû mettre une machine qui a l'air de déconner. Voilà, je fais mon roulement terminé. Je vais bloquer maintenant avec ma bobine, je remonte ma bobine pour avoir un fil court. Je vais bloquer mon fil. Voilà, toc, je bloque, je prends avec mes doigts, je pince les poils en arrière, je viens bien derrière l'œillet, bloquer le fil là, et je coupe. Je me mets un rat, je glisse mon ciseau le long du fil, et je coupe. Ça c'est fait. Je vais prendre ma clé là pour bien pousser les poils en arrière. Voilà. Ça va lui faire une petite tête hérisson. Maintenant je fais ma tête. Je fais un roulement derrière le miel. Voilà. Je vais bloquer maintenant. Ou witchinich. Bon, je vais faire à la clé, ça va être plus simple. Et j'entoure comme ça. Hop, c'est tout. On peut le faire avec ses doigts. Hein. Je crois qu'il n'y a pas dedans. Genre. Voilà, on prend bien. Ciseaux. Et on le coupe pas. Je vais prendre ceci là. C'est une petite brosse spéciale pour quand on veut brosser le bibi. Je m'en sers également pour là, mieux les poils, je les ramène en avant pour lui donner une bonne tête.
Ouais, c'est pour ça, à la finition, on arrive à rattraper plein de choses. Voilà. Ça va lui faire une petite tête poilue. J'ai pas eu que la lumière ait été coupée. Oh. Une coupure comme ça, bon. Alors, une astuce. Cuillère, moi j'ai dit, cuillère percée. Comme ceci. Je suis bien devant là. Je protège ma tête pour juste envoyer couper. Pour brûler. Excellent fil. Excellent des poils, pardon. On va y mettre une petite goutte de vernis. J'aime pas trop faire les clés, moi, parce que le fil, c'est jamais très très précis. On va mettre une goutte de vernis maintenant pour bloquer tout ça. Ici, je suis mon aiguille, je range, je ferme. Le pot de vernis, toujours mon vernis liquide. Hein. Certains utilisent de la colle, hein. Je suis pas trop pour parce que c'est assez pâteux la colle super glue. Un bon produit, mais c'est bon. Je revérifie également la colle la super glue, ça aide à pas mal de choses pour des montages, c'est vrai. J'utilise aussi, bien sûr, mais pas pour mes finitions fines comme ça. C'est dans le biais, je vais tirer, ça va dégager, voilà, un aller-retour avec mon pied, comme ça je suis sûr que s'il y a des petites choses dedans, ça part, comme ça au bord de l'eau, parce que moi j'hésite pas à en faire pas mal, d'emmener pas mal au bord de l'eau de mouches, nymphes avec moi, parce que j'aime bien pêcher à vue bien sûr. Et souvent la truite refuse, des fois elle vient, il y a deux types de truites, il y a celle qui reste sur place et celle qui bouge, qui va faire 50 cm à côté pour aller chercher la mouche. Certaines montent gobe, on voit gober, des fois elle refuse. Je passe tout de suite avec une nymphe, souvent la nymphe légère rattrape très bien le coup. Nymphe lourde, si je vois qu'elle est repartie dans la cuvette d'eau, si dans la veine d'eau je vois qu'il y a une cuvette, elle peut être au fond. Donc là, il va falloir aller racler plutôt le fond avec une nymphe. Il faut toujours avoir une polyvalence de nymphes, de mouches, de différents modèles. Ne pas hésiter, c'est surprenant la truite, même l'ombre. Ce qu'ils peuvent prendre, des fois, on croit que cette mouche-là, c'est pas la bonne. Et puis en réalité, bah si, c'est celle qui, des fois, vous prend trois truites à suivre. Voilà, donc, je desserre pour montrer. Voilà, ça lui fait la différence avec l'autre qui est toute simple, hein, qui fait un peu fourmi. Ben celle-là, vous allez avoir un petit peu de poil devant. Voilà. On pourrait y mettre une petite plume entourée aussi. Il hein. Faut pas hésiter, hein. Les petites fantaisies sont sympas à faire. Voilà, pour le montage de celle-ci. Au prochain montage, ben, en attendant, bon courage. À la prochaine vidéo.